Et donc bonjour les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc comme vous pouvez le voir les gens, nouvelle vidéo avec de nouveaux mangas. Et ce n'est pas n'importe quel manga les gens, parce que c'est l'arrivée d'un nouvel univers dans ma collection, dans mon stock on va dire de mangas. Et donc ça fait grave plaisir, parce que comme vous l'aurez vu dans le titre, encore sur la miniature je pense, eh ben c'est tout simplement des mangas de Sword Art Online. Voilà, c'est bon, vous l'avez peut-être remarqué, je suis en plein dans la période Sword Art Online, hein. Je vous ai déjà sorti un unboxing avec la figurine de Asuna, voilà. Et bien sûr, un autre unboxing qui va venir normalement ce week-end, là, qui arrive, hein, samedi ou dimanche, qui arrive. Et du coup, ben, là, voilà, des nouveaux mangas, des nouveaux tomes d'un nouvel univers. Et cet univers, c'est Sword Art Online, donc c'est magnifique. Donc, vous allez voir ce que j'ai pris, les gens. Donc, j'ai pris tout simplement tout le premier arc et tout le deuxième arc de Sword Art Online et donc toute la saison 1, voilà. Donc parce que la saison 1 de Sword Art Online c'est 2 arcs en tout, et donc là en manga j'ai pris tout le premier arc et j'ai pris tout le deuxième arc, et je vais vous montrer ça tout de suite sans faire tarder plus longtemps la vidéo. Donc en tout cas j'espère que vous allez bien les gens, j'espère que vous aimez là les vidéos qui sortent, hein, le 50-50 sur Fortnite, l'unboxing d'Asuna. On a atteint plus de 210 abonnés et ça c'est vraiment cool, je vous en remercie les gens. C'est vraiment vraiment sympa de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à mes vidéos et qui aiment ce que je fais, et donc ça fait grave plaisir. Donc c'est parti, et bien sûr 23 décembre, n'oubliez pas, c'est toujours d'actualité, le 23 décembre il y aura la vidéo où je ferai un top de toutes mes figurines que j'ai eues pendant toute cette année 2017, et donc de toutes mes figurines en globalité, quoi, tout simplement. Parce que comme dit, j'ai commencé à acheter et collectionner des figurines en mai 2017, voilà. Donc c'est parti, on sort les deux premiers, donc là, un petit joyeux Noël de la Fnac. Une fois de plus, commandez sur la Fnac. Ce n'est pas un placement de produit, je sais pas quoi, mais c'est toujours de bonne qualité et tout. Là, on a une petite pub, on dégage. Et donc, voilà, alors là, les gens... Donc j'ai déjà reçu les tomes du deuxième arc, et du coup pour faire cette vidéo j'attendais de recevoir les tomes du premier arc. Et donc j'ai déjà remarqué les gens que ils sont méga larges. Regardez toutes les pages qu'il y a, ils sont hyper hyper larges. Je crois qu'il y a 190 pages par tome environ. Et donc ça c'est juste magnifique. Donc voici les gens, le premier tome du premier arc de Sword Art Online. Il est vraiment vraiment beau, hein. Waouh. Regardez-moi ça. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le tout premier tome là de Sword Art Online, avec du coup le premier arc, hein, quand ils sont dans Inkred, je sais pas comment ça se prononce, excusez-moi pour les vrais fans, moi je commence à peine on va dire. Donc voilà, donc le premier tome, le premier manga du coup qui parle du premier arc de Sword Art Online. Et du coup ça fait grave plaisir parce que les gens, j'ai fini tous les mangas que j'avais, c'est-à-dire j'ai fini les 44 tome de Fairy Tail, j'ai fini tous les tomes de ReZero, et du coup là j'étais à court de tomes, et du coup j'étais en train de me faire chier à l'école pendant les pauses, et donc il fallait absolument que j'aie de nouveau de quoi m'occuper. Et donc là l'arrivée de Sword Art Online ça va me remettre bien pendant quelques jours malheureusement, mais c'est déjà ça quoi. Et là regardez, on regarde un peu, ah là, j'ai tellement hâte des gens de regarder, de lire et de voir Sword Art Online, mais en dessin quoi, en dessin sur papier et tout. J'ai vraiment vraiment hâte de voir. En tout cas ça a l'air vraiment sympa. Alors bien sûr le truc vraiment incroyable, et pourtant c'est bel et bien vrai, c'est que le premier arc c'est seulement 2 tomes, 2 mangas pour un arc. C'est juste incroyable quoi. Ils ont réussi à raconter l'histoire de tout un arc en seulement 2 tomes, en seulement 2 mangas. C'est quand même incroyable, hein. Donc je vais vous montrer le deuxième tome, le voici, voilà, donc deuxième tome, une fois de plus sur le premier arc, hein, Inkred, là, Inkred, comme vous voulez, et lui aussi juste magnifique, hein, voilà, donc là aussi, voilà, là il y avait le petit Kirito accompagné d'Asuna, et on voit la fameuse île, là, juste derrière, hein, et là, bien sûr, on revoit de nouveau Kirito en mode vénère, avec ses doubles épées, là, une épée juste ici, et l'autre qui tient là derrière.
et la petite Asuna juste derrière en train de rougir et tout, parce que bien sûr ils se mettent ensemble dans ce premier arc, hein, voilà. Et du coup ouais, c'est juste incroyable qu'ils ont réussi à faire tout un arc en deux tomes, en deux mangas. Ils ont réussi à faire tout un arc alors que je crois qu'il y a environ l'animé, je crois que c'est 13 épisodes l'animé, 13 ou 14 épisodes pour le premier arc. Et là ils ont réussi à mettre du coup tout ça en deux tomes. Mais d'un autre côté, comme je vous l'ai dit, d'un autre côté, regardez la largeur des tomes. Donc ça s'explique quand même un peu, quoi. Mais ouais, c'est... Ah, j'ai tellement hâte. Oh là là, regardez. Oh non. C'est horrible, c'est le fameux moment où Asuna, du coup, elle se sacrifie à la place de Kirito pour essayer de le sauver, du coup. Pardon, adieu. Et là, Asuna. Oh mon dieu. J'ai vraiment hâte de voir, les gens. Ça a l'air vraiment incroyable. Déjà, l'anime était juste top. Alors là, lire le manga, j'ai vraiment, vraiment hâte de lire ça. Donc, les deux premiers tomes et donc tout le premier arc de Sword Art Online. Et donc, comme je vous ai dit, je me suis pris aussi le deuxième arc. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai reçu les deux premiers tomes du deuxième arc en avance. Donc, je les ai ouverts de mon côté. Et ça, du coup, c'est le troisième tome du deuxième arc. Parce qu'en tout, le premier arc, c'est deux tomes. Et le deuxième arc, vous allez le voir, il y a trois tomes. Alors c'est quand même incroyable, parce que comme dit dans l'animé, le premier arc dure plus longtemps que le deuxième arc. Et pourtant là, pour le premier arc, on a juste deux tomes, deux mangas. Et pour le troisième arc, là par contre, on en a trois. Donc pourquoi pas. En plus, ils ont la même taille, regardez-moi ça, la largeur, regardez-moi ça. C'est incroyable, c'est magnifique, hein. Après, je vais vous montrer, je vais faire une comparaison par rapport à ReZero, par rapport à Fairy Tail. Je vais vous faire une comparaison de la largeur, mais ils sont énormes. Les Sword Art Online, ils sont énormes. C'est juste topissime. Donc, le premier tome de Sword Art Online, mais cette fois-ci, Fairy Dance, donc le deuxième arc, hein, voilà, de Sword Art Online, où du coup, il retourne dans un monde virtuel, cette fois-ci en mode féerique et compagnie, pour essayer de sauver Asuna qui malheureusement ne s'est pas réveillée à cause d'un fils de chien, voilà. Et donc ça a l'air juste topissime, hein, encore une fois, avec ces horribles moments où du coup Asuna est emprisonnée dans une prison et qu'elle se fait harceler par un vieux pervers de merde, hein. Donc le premier tome magnifique avec du coup Kirito dessus avec sa petite sœur, hein, voilà. Et le deuxième tome juste ici, donc Fairy Dance, Sword Art Online, avec une fois de plus cette fois-ci sa sœur et lui-même, mais quand ils sont humains, normal, hein, pas dans le jeu vidéo. Et du coup, bah, une fois de plus, hein, ça a l'air vraiment vraiment cool, hein. Ça a l'air vraiment 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 cool, hein. J'ai vraiment hâte de voir. Voilà, là c'est quand Asuna, elle se barre de la prison et elle essaye de s'enfuir du coup. Enfin voilà, j'ai vraiment hâte de dire tout ça. Et du coup là j'ai reçu le troisième et dernier tome du deuxième arc, du coup. Et donc j'ai vraiment vraiment hâte de voir à quoi il ressemble. Là j'ouvre comme un bourrin. Donc une fois de plus, le joyeux Noël et compagnie, hein. Et donc voici le troisième. Oh la va. Putain les gens. Alors là les gens, je crois que j'ai trouvé le best du best. Regardez, hein. Regardez la taille, regardez la largeur de ce manga, c'est un truc de fou. C'est le plus gros, il est énorme, regardez. Limite, on dirait pas que c'est un manga, il est énorme, même son poids, c'est incroyable. Et d'un autre côté, c'est un peu logique, parce que celui-ci, d'habitude, un manga, c'est 6,90€, et bien celui-ci coûtait 1€ plus cher, il coûtait 7,90€. Et je comprenais pas trop, du coup, je savais pas pourquoi il a mis plus cher, mais en fait, non, je comprends mieux. C'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de pages. Et donc voilà, donc du coup, ces trois tomes-là, c'est le deuxième arc. Et ces deux-là, c'est le premier arc. Hein, voilà, si vraiment vous n'avez pas suivi, en tout cas magnifique, hein, ce tome 3, magnifique. Avec Kirito, mais enragé, là. En même temps, on sait, voilà, pour eux qui ont regardé l'animé, vous savez ce qui se passe, hein, vu que c'est la fin de l'arc et tout. Vous savez ce qui se passe, vous savez pourquoi il est enragé comme ça. Sword Art Online, Fairy Dance.
Et là, Asuna, juste derrière, là, qui est enchaîné à ses chaînes, à ses horribles chaînes, et qui est en train de se faire toucher par ce salopard, là. Hein, j'en ai les nerfs. Je me rappelle, quand j'ai regardé la fin du deuxième arc, je me rappelle, j'étais devant mon écran, j'avais juste envie d'éclater mon écran, tellement ça m'enrageait ce qui était en train de se passer. Enfin, voilà, mais il est énorme. Il est énorme. Et celui-là, je vais... D'habitude, il me faut, pour des mangas du style Fairy Tail, du style ReZero, il me faut une heure environ, non, 40 minutes pour lire un manga du style Fairy Tail. Ensuite, les mangas ReZero qui étaient un peu plus gros, il fallait environ une heure vingt. Mais je pense que ceux-là, et surtout lui, il va me falloir beaucoup plus d'une heure vingt. Ah, ça c'est sûr et certain, ils sont énormes. Ils sont juste énormes. Ah là là, mais d'un autre côté, ça fait tellement plaisir d'un autre côté. Parce que du coup, j'espère et je pense qu'ils vont me tenir jusqu'aux vacances de Noël. Hein, parce que comme dit, les mangas, je les achète pour les lire pendant les pauses en cours. Parce que sinon, je me fais chier. Et du coup, ça va me tenir jusqu'aux vacances, je pense. Hein. Il reste plus qu'une semaine et demie là, donc c'est parfait. Ça me fait grave plaisir et j'ai vraiment grave, grave hâte de voir ce que ça donne. Enfin voilà, du coup... oui, je vais vous montrer les comparaisons du coup, c'est juste incroyable. Donc déjà, on va comparer les épaisseurs. Alors déjà, on voit que entre... Voilà, donc ça c'est le premier tome du deuxième arc. Et juste en dessous, c'est le premier tome du premier arc. Et bien on voit que... Voilà, on voit que le Fairy Dance, Sword Art Online Fairy Dance, est plus gros que Sword Art Online Incredible. Donc déjà, on voit ça. Ensuite, on va regarder entre le gros et lui. Ah oui, ben là, il n'y a pas photo. Hein. Là, regardez, là. C'est le plus gros que j'ai jamais eu. Il est énorme. Il fait deux tomes Fairy Tail, j'ai l'impression. Du coup, je vais vous montrer comparaison. C'est parti, c'est la fête des comparaisons. Donc, voici Fairy Tail. Les gens, j'ai lu tous les tomes de Fairy Tail. Donc, j'ai lu celui-ci. Et il est magnifique. J'ai enfin pu voir comment Wendy se transforme en Dragon Force. J'ai enfin pu voir ça. Et les gens, j'en avais les larmes aux yeux tellement c'était beau. Tellement c'était beau, putain, c'était incroyable. C'était juste incroyable. Le déclenchement, comme dit, où elle hurle en mode non, pas Carla et tout. Et c'était magnifique. Ce moment-là était juste sublime. Et toute la suite qui enchaîne, c'est on reconnaît même plus Wendy, c'est devenu une vraie tueuse, on la reconnaît plus, elle est juste incroyable. Elle est juste incroyable. Donc j'ai enfin pu lire ce tome, qui est du coup beaucoup plus petit, regardez la différence. Voilà, entre le premier tome de Fairy Dance, regardez, la différence est incroyable par contre. Hein. La différence de page est juste incroyable, regardez. Regardez la différence, c'est hallucinant tout de même. Hein. En tout cas, ouais, Wendy, magnifique. C'est hallucinant. Ensuite, on va comparer avec un ReZero beaucoup plus gros que les autres, hein, si vous souvenez bien. On va comparer avec le premier tome Fairy Dance, une fois de plus. Et... Ah non, quoique... On dirait que Fairy Dance, c'est un peu plus gros. Ouais, il est un peu plus gros, quoique c'est limite égalité. Ouais, non, on dirait qu'il est un tout petit peu plus gros. Et donc, bah, bien sûr, avec... Le troisième tome de Fairy Dance, ben là, c'est incroyable, hein. Ce tome-là, déjà, la couverture devant, elle est magnifique, il y a tout qui est beau. Mais ouais, c'est juste incroyable, il est énorme, immense. En tout cas, voilà les gens, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, voilà, une petite présentation une fois de plus de tous mes nouveaux mangas que je vais me faire un putain de plaisir à lire juste avant les vacances de Noël et compagnie. Hein. Je vais vraiment me faire un plaisir, hein. Ah ouais, je vais m'éclater là, ils sont bien gros en plus chacun. Ils vont bien me durer à chaque fois toutes les pauses. Et donc ça fait grave plaisir. Donc en tout cas, voilà, j'espère que vous aurez kiffé les gens cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit pouce bleu si vous l'avez aimé, hein. Un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez de ces mangas, de ces tomes Sword Art Online. Et sinon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle. Allez, très bonne journée, très bonne soirée. Ciao !